rentrée au village, j'étais malade depuis que j'étais venue ici. Et puis, je suis venue chez Papa Florian. Donc, quand je suis venue chez Papa Florian, il m'a donné huile sainte, sang de Jésus. Et puis, il m'avait donné lin, bonnet rouge. Et puis, j'ai pris ça. Et ça, j'ai pris et puis j'ai bu. Quand je suis partie au village, je suis arrivée au village, à la maison chez moi là-bas. Quand j'ai rentré dans ma maison et puis j'ai pris le sang de Jésus là, puis j'ai mis dans ma maison. Non, j'étais là avec mon mari. Il est sorti. Il passait derrière la maison. J'ai dit, mais toi, tu as quel problème? Il dit, non, il n'y a pas de problème, mais je vais pisser. Il allait pisser, il n'est plus revenu à la maison. Jusqu'à, j'ai attendu, jusqu'à il fait nuit. J'ai dit, mais oui, il est parti. Je le cherche, je ne le trouve pas. Jusqu'à un matin, il est venu, mais il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas cherché? C'est ça, il dit, aïe, mais je ne savais pas où tu étais parti. Il dit, j'étais parti dormir chez mon voisin. C'est ça, il dit, ah, moi je ne savais pas où. Donc, le lendemain, j'ai pris une et je me suis frottée. Sang de Jésus. Tous, sang de Jésus là, tous mes camarades, mes CEO, chacun me voit ici. J'ai dit, mais j'avais un problème. C'est moi seulement. On dit toi qui es devenu sorcière. J'ai dit, hey, Dieu merci. Moi, depuis là, je voulais être devenu sorcière. Et puis, je ne savais pas. Mais là, je suis devenu sorcière. Là. C'est bon. Moi, j'aime, je veux. On dit, non. Tu as volé. J'ai dit, ah, Dieu merci. Si je vole maintenant, c'est bon. Avant, je ne volais pas. Et puis, j'étais malade. Mais maintenant, je vole là. C'est bon. Voilà comment ça s'est passé. Je ne peux pas trop parler. Voilà comment ça s'est passé. Mais je remercie à